Salut à tous et bienvenue sur Hightech Magazine, le magazine des nouvelles technologies qui porte un regard local sur les évolutions et les innovations du nouveau monde numérique et leur impact dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité. Si dans la vraie vie, nous avons besoin de nous mettre, nous et nos biens, à l'abri des personnes mal intentionnées et des accidents de tout genre, notre vie digitale est désormais si dense qu'elle mériterait bien d'avoir les mêmes soins. En effet, stocker des informations très personnelles sur un ordinateur ou sur un serveur éloigné via Facebook ou encore échanger des informations confidentielles au travers des mails nous expose à des dangers. Parce que s'il y a des bandits et des personnes mal intentionnées dans la vraie vie, leur équivalent le sera bel et bien sur Internet. Question à l'homme de la rue. Êtes-vous véritablement conscient des dangers que vous encourez en utilisant Internet? Réponse. Victime une fois, parce qu'il y a souvent des personnes très mal intentionnées qui utilisent l'outil internet pour faire de l'escroquerie, ce genre d'activité. Et c'est vrai que parfois c'est nécessaire, je trouve que c'est parfois utile de pouvoir renseigner les populations par rapport à tout ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il y ait un danger à utiliser internet dans la mesure où je ne vois pas des données qui pourraient me poser préjudice. Généralement, ça m'arrive même très souvent. Quand je trouve même mon laptop dans un cyber, par exemple, quand je ressors, parfois je regarde. Donc, plus souvent, quand je ressors, je fais parfois le système pour redevenir à jour. Déjà, je ne savais pas qu'il y en avait. Donc, pour moi, Internet, c'est un peu comme une espèce de distraction. Vous savez, quand on se distrait, on ne pense pas trop à ce qui pourrait arriver, à ce qui pourrait venir nuire à notre distraction. Donc, je n'y pense pas trop. C'est parce qu'on va aller sur Internet, on se voit beaucoup de mauvaises choses. On est d'accord qu'il y a plein de sites qui proposent des cookies qui ramènent vers des sites pornographiques, par exemple, pour nos plus jeunes frères, ce qui n'est pas bien. Donc il faudrait que ça soit vraiment régulé. They told me about the danger, but they say it's not too risky. Yes, but they say that they used to initiate through internet. Yes, but I don't know whether it's true because I've never happened to me. Le piratage a pris de l'ampleur. Donc les données qui sont accessibles de par internet sont à tout moment susceptibles d'être piratées. De même que les différents comptes créés, que ce soit les comptes de messagerie ou alors les comptes bancaires quoi. Donc, il est question pour nous de pouvoir mettre en place des procédures visant à sécuriser au maximum, que ce soit les informations ou alors les biens des personnes. Vous vous en doutez bien, le commun des Camerounais qui ne fait aucune transaction financière sur Internet croit qu'il est parfaitement à l'abri de toute attaque. Mais notre expert va nous apprendre que seule notre identité est déjà une information très précieuse sur Internet. Ce que je vais dire au-dessus de très clair et de très simple, c'est qu'il est clair que les Camerounais aiment beaucoup les réseaux sociaux. Et aller dans les réseaux sociaux présente de très gros dangers que je vais essayer de présenter. Il existe par exemple plusieurs cybercrimes tels que l'usurpation d'identité. Lorsque vous allez sur Facebook et que vous basculez toutes vos images personnelles, tout votre emploi du temps, vos images envoyées sur Facebook, il est très simple pour une personne qui veut vous embêter et qui veut sérieusement vous nuire, d'aller enregistrer dans votre compte Facebook ces photos. Une fois les photos enregistrées, de créer un autre compte avec votre nom, de mettre ces photos et de se faire passer pour vous. Maintenant, quel serait l'objectif? L'objectif peut être de vous diffamer. L'objectif peut être d'escroquer des individus en utilisant le crédit et le bénéfice que vous avez auprès de plusieurs
personne. L'objectif peut même être d'atteindre directement votre personnalité en vous faisant passer pour quelqu'un d'odieux. Deuxièmement, aller sur Facebook présente aussi un autre danger. Vous savez, sur Facebook, il existe un virus depuis 2007 qui n'a pas encore été neutralisé jusqu'à aujourd'hui. Le rôle de ce virus est de télécharger des informations dans la machine hôte et d'uploader ces informations vers l'extérieur. Une fois dans la machine, ce virus qu'on appelle coupe-face ralentit sérieusement la machine. Il apparaît parfois de plusieurs façons. Il peut vous demander une mise à jour d'Adobe Flash Player. Vous êtes convaincu que c'est une mise à jour légitime. Une fois que vous cliquez, vous vous retrouvez avec coupe-face dans la machine. Il est clair que lorsque vous allez sur Facebook, si vous ne filtrez pas très bien vos informations et si vous ne les mettez pas avec beaucoup de prudence, un individu quelconque allant dans votre mur peut tomber sur votre adresse mail. À partir du moment où il a votre adresse mail, il peut spoofer votre adresse mail. Je vais expliquer. Il peut envoyer un email à un individu. Ça peut être un email de menace. Ça peut être un email de harcèlement. Et il s'arrange à ce que ce soit votre adresse email qui s'affiche. Deuxièmement, lorsqu'un individu connaît votre adresse mail, si jamais il connaît une personne, l'adresse mail d'une personne que vous connaissez, telle que ça se fait dans les sites du dark web. Vous savez, dans le dark web, il existe des sites où vous pouvez payer en bitcoin, vous donner une adresse mail et on pirate cette adresse mail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous demandent de produire au moins trois autres adresses mail que l'individu connaît. À partir de ce moment, il va envoyer des emails à me sonner en fait. Il va envoyer des emails qui auront l'air d'être légitimes. Une fois que vous allez ouvrir votre boîte mail, vous vous direz que « Ah, mon ami m'a appelé, mon ami m'a envoyé un email, ma soeur ou bien mon épouse m'a envoyé un email. » Vous allez ouvrir cet email et au travers de cet email, vous risquerez de tomber sur des virus. Au travers de cet email, vous risquerez d'avoir un faux lien de connexion, de donner vos identifiants. C'est ainsi que le pirate derrière, en background, va voler vos informations et va pénétrer votre compte email pour pouvoir l'utiliser dans un très mauvais usage. C'est très grave. C'est très grave parce que si c'est même une boîte professionnelle, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous faites virer tout simplement. Voilà. Parce que quelqu'un va utiliser la boîte email avec le domaine de l'entreprise pour menacer certains individus ou pour se livrer à des actions frauduleuses. Voilà. La cybersécurité ou bien la protection au niveau du cyberespace se passe de deux façons. La première façon, ça se passe en amont, au niveau des infrastructures, des politiques gouvernementales qui devraient être déployées. Et maintenant, en aval, c'est la prudence du consommateur des produits cybernétiques qui entre en jeu. Donc j'ai bien besoin de dire aux Camerounais et à tous ceux qui vont dans le cyberespace, soyez très prudents. J'ai bien besoin de leur dire, n'ouvrez pas n'importe quel mail. J'ai bien besoin de dire, ne dupliquez pas ou n'envoyez pas facilement vos informations sur Facebook. Mais en dehors de ça, malgré tous ces moyens de prudence-là, on n'est pas à l'abri des hackers si déjà les différentes instances publiques qui sont chargées de réglementer, réguler et instaurer même une sorte de politique cybernétique au sein de notre pays ne font pas grand-chose. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il est très facile d'ouvrir un cybercafé. On n'impose pas une réglementation aux individus pour ouvrir un cybercafé. Mais on oublie carrément que si un cybercafé a 10 machines et que ces 10 machines sont infectées, ces 10 machines deviennent ce qu'on appelle des zombies. Donc ces 10 machines peuvent être manipulées à distance pour attaquer une infrastructure, un ministère ou bien une entreprise par attaque de saturation ou bien par déni de service. Nous retenons donc à travers les réseaux sociaux et nos adresses mail, nous courons des dangers tels que l'usurpation de notre identité, la favorisation de la propagation des virus tels que coupe-face et même nous risquons de faire l'objet de diffamation. Comme moyen de prémunition, il convient d'être très prudent en limitant la diffusion des informations personnelles sur les réseaux sociaux et surtout en faisant bien attention aux mails qu'on choisit d'ouvrir. Également, les instances publiques devraient instaurer une politique cybernétique pour contrôler et réglementer le secteur. Bon, ça c'est clair que les Camerounais redoutent le virus. Je suivais
dans un forum de sondage d'une conférence de Kapeski, nous sommes le 74e pays le plus infecté au monde en virus. Donc c'est une menace qui devrait être prise au sérieux. Mais les virus, au début, à la base, ce sont des programmes. Ce sont des programmes parfois très légers, mais qui sont censés entrer dans un ordinateur et servir un intérêt que je ne peux pas définir de légal, en fait. Regardez par exemple le virus qui est en train de faire rage aujourd'hui, le virus de masque, qui est en train de faire trembler tous les États actuellement. Un virus qui a été conçu pour, par exemple, voler des informations des différents gouvernements. Et aujourd'hui, plusieurs pays commencent déjà à prendre au sérieux cette menace. C'est un virus, c'est un petit code, mais qui entre de façon frauduleuse dans une machine et qui fonctionne de façon très transparente, de façon à ne pas être remarqué. Bon, il faut aussi être clair qu'il existe des pays, par exemple, qui financent la fabrication des virus informatiques. Ça, c'est clair, parce que ces pays sont dotés d'une armée cybernétique offensive. Et ce n'est pas, à mon avis, une mauvaise idée lorsqu'on veut être à l'abri, par exemple, de certains problèmes. Voilà, si on dit que l'antivirus protège, je peux dire oui et non. Oui, parce que l'antivirus, c'est le système ou le programme de sécurité de base. Ça, l'antivirus offre une sécurité de base. Mais je ne peux pas dire que l'antivirus protège à 100% parce qu'il existe des techniques, dites des techniques d'évasion, des techniques qui permettent de contourner ou de s'échapper face au contrôle d'un antivirus. C'est même très récurrent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut éviter un antivirus? Parce que l'antivirus fonctionne d'une façon très spécifique. Il repère un virus par comportement ou par signature. Si le comportement d'un programme est inhabituel ou bien suspect, l'antivirus va stopper ce programme en sous-entendant qu'il s'agit d'un virus. Maintenant, si un programme pénètre la machine et que ce programme, n'est-ce pas, a une signature identique à une autre signature qui se retrouve dans la base de données virales, l'antivirus va bloquer. Mais maintenant, il suffit qu'un bon hacker prenne le virus, modifie quelques 2-3 lignes, la signature du virus va changer. Une fois que la signature du virus change, il renvoie le même virus, le virus va passer. Donc je veux tout juste dire, l'antivirus, c'est un robot qui dit, OK, personne n'entre ici s'il pèse 95 kilos. Alors, on décide donc de porter un blouson d'un kilo de plus, on fait 96 kilos ou 97 kilos et on entre, c'est tout. Donc, l'antivirus offre une protection de base, mais n'est pas fiable à 100%. Une question très sensible, mais je vais me permettre de répondre un peu poliment. Je dirais clairement non. Un informaticien ne peut pas combattre la cybercriminalité. Pourquoi est-ce que nous faisons cette confusion? Nous faisons cette confusion parce que déjà à la base, nous avons mal cerné le phénomène de la cybercriminalité. Vous savez, la cybercriminalité n'est pas une filière informatique. C'est pas du réseau, c'est pas de la programmation. La cybercriminalité est une forme de criminalité. Voilà, et un informaticien ne sait pas mener une investigation. Un informaticien ne maîtrise pas ce que les Américains appellent de best evidence rule. Ça veut dire les différents procédés d'acquisition, d'identification, de préservation et de documentation d'une preuve pour qu'elle puisse être utilisée devant une cour de justice. Un informaticien ne peut pas parler de criminalité. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous cernons très mal ce problème et on voit le coq, l'âne, le canard se jeter dans la cybercriminalité. Mais attention, la cybercriminalité est un fléau social. Un fléau social qui porte atteinte à l'ordre et à la sécurité nationale. Ça veut dire que s'il existe un corps ou des individus qui peuvent agir de façon active et efficace contre la cybercriminalité, ce n'est pas des informaticiens, c'est des forces de l'ordre, c'est la police, c'est la gendarmerie, même pas l'armée. Pourquoi? Parce que nous confondons. L'informaticien, sa place est en entreprise. Et en entreprise, il est censé faire de la cybersécurité. Mais non, la cybercriminalité, sa place est dans la société, dans une société. Et qui est censé combattre et réprimer la cybercriminalité? C'est les forces de maintien de l'ordre. Au niveau de l'armée, ce n'est pas la cybercriminalité. Au niveau de l'armée, ce n'est pas de la cybersécurité, c'est de la cyberdéfense. La cyberdéfense, c'est l'ensemble des procédures qui sont mises sur pied afin de préserver l'espace cybernétique d'un État. La cybercriminalité est un fléau social et les informaticiens qui font des séminaires, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils parlent.
Je dirais que c'est quand même des délits de compétence. Ils n'ont pas qualité de parler de criminalité. C'est comme si on disait qu'un armurier peut faire la guerre parce qu'il fabrique des armes. Non. Donc je respecte bien cette profession. Elle est même très noble. Mais il faudrait quand même penser à laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je demanderai aux gens, certes, d'être vigilants, mais déjà que les différentes infrastructures de notre pays qui sont chargées de combattre ce fléau essayent de réguler au moins la pratique, hein, pour éviter aux vautours et aux charlatans de venir faire du spectacle. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui forme dans la lutte contre la cybercriminalité, c'est tout le monde qui fait même la publicité de la cybercriminalité. Finalement, je me demande si c'est la criminalité ou bien c'est une campagne d'évangélisation. Donc je pense que le phénomène devrait être pris avec plus de sérieux et qu'on comprenne que ce n'est pas avec des séminaires qu'on va résoudre ce problème, c'est avec des actions pratiques en mettant des hommes d'action sur des postes d'action et pour mener des actions bien précises. Récapitulons, le virus à la base est tout simplement un programme, mais dénié pour son défaut de servir des intérêts pas légaux tels que la piraterie des informations et le fait de détruire des fichiers. La protection contre le virus, c'est bien sûr l'antivirus, programme et système de protection qui néanmoins reste faillible. Parlons de la lutte contre la cybercriminalité, les rôles devraient être redéfinis. L'informaticien n'ayant pas qualité devrait s'en tenir à la cybersécurité. L'armée interviendra pour la cyberdéfense et les forces de l'ordre pour la cybercriminalité proprement dite, puisqu'étant un fléau social réel. Nous adressons le merci à notre super expert pour nous avoir édifiés de la sorte. Quelque chose d'autre qui est autant édificateur, c'est la phase de la démo. Donc, vous vous demandez dans la plupart du temps, par exemple, comment les différents cybercriminels, tels que les hackers font pour pouvoir avoir votre adresse email ou vous envoyer, par exemple, des spamming et des courriers piégés qui peuvent avoir des liens ou bien un contenu à mentionner. Donc, le plus souvent, les cybercriminels utilisent une technique qu'on appelle le Google Hacking. Le Google Hacking, en fait, c'est un ensemble, c'est une technique qui repose totalement sur l'utilisation des instructions qu'on appelle des Google Docs, qui permet d'utiliser la fluidité et surtout l'efficacité du moteur de recherche Google pour pouvoir interroger directement certaines pages sur le web. Donc ici, par exemple, je vais utiliser une technique utilisée le plus souvent par les cybercriminels, les hackers, pour vous montrer comment ça se passe. Et cette technique les permet d'avoir le maximum d'adresses mail au travers Internet. Donc, c'est une sorte de légère requête qui est lancée sur Google et ça me permet de capter les adresses mail dans les sites qui ont une sécurité basique. Donc, ici par exemple, on se retrouve avec ce Google Doc. On vient de pénétrer, on vient d'entrer par exemple dans un site où vous voyez, il y a l'email d'un individu, son mot de passe, son statut qui est vérifié, son adresse et la somme qu'il a dans son compte bancaire, sa carte bancaire PayPal. Donc vous voyez, lorsque vos informations ne sont pas sécurisées, c'est ce genre d'attaque que le cybercriminel peut perpétrer et ça se retourne très dangereusement contre vous. Vous allez vous rendre compte que votre adresse email sera en ligne, votre adresse, un individu quelconque aura votre adresse et pourra retrouver votre maison, il aura votre mot de passe et la balance de votre compte par exemple. Voilà un exemple très concret qui donne une illustration sur les méthodes par exemple utilisées par les cybercriminels. Et à partir de ce moment, vous pouvez vous rendre compte que waouh, comment celui-ci a réussi à pénétrer mon compte bancaire, comment est-ce qu'il a réussi à pénétrer mon compte de messagerie, comment est-ce qu'il a réussi à vider ma carte ou à faire un achat à partir de ma carte. Donc, pour un exemple, voilà un exemple très succinct d'une technique utilisée par exemple par les cybercriminels. Voilà.
Donc ici, par exemple, vous allez remarquer, on a ce qu'on appelle la carte cybernétique nationale, internationale, mondiale. Sur cette carte, par exemple, on va voir, vous allez voir la liste des pays du monde et les taux d'infection. Aussi, à partir de cette carte, on peut voir comment les virus transitent d'un pays à un autre. Voilà. On peut aussi voir au travers de cette carte les pays les plus infectés du monde, les pays les moins infectés, les virus qui sévissent pour le moment. Voilà, les virus qui ont été déjà bloqués. Voilà, on est le Cameroun, ça se voit, on est le 114e pays le plus infecté au monde en matière de virus. Donc, vous voyez là le Cameroun, le Congo, qui est le 101e pays le plus infecté. Donc, l'Angola, qui est le 113e. Voilà, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas compris ou si vous l'avez pris à la légère, permettez-moi de le rappeler. En ce qui concerne la sécurité de votre compte sur un réseau social ou de votre boîte mail, le mot de passe est un élément capital. Alors, il devrait être choisi avec beaucoup de minutie, de façon à ce qu'on ne puisse pas le deviner. Place à présent aux news avec l'incroyable Charlotte Nozy. Cette semaine encore, vous en apprendrez de bien belles dans l'actu. Dans le top 10 des pays ayant une meilleure pénétration de l'outil Internet en Afrique, le Cameroun est classé 8e sur le niveau d'implication des nouvelles technologies. Dans ce classement, on retrouve également le Sénégal qui occupe la tête du classement, le Kenya classé 2e, le Maroc 3e, le Mozambique 4e, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire respectivement 6e et 7e. Le mobile banking, très prisé en République démocratique du Congo, semble avoir pris ses habitudes au sein de l'économie congolaise. Selon adiacongo.com, près de 73 000 agents du gouvernement ont reçu ces deux dernières années leur salaire via leur mobile. Cette croissance du mobile banking est due au fait que chaque partie y trouve son compte. Les clients obtiennent des services bancaires sans se déplacer et les banques gagnent en rapidité. L'opérateur de téléphonie mobile Inoui au Maroc s'est associé au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF, afin de protéger les mineurs sur Internet. À cet effet, une campagne de sensibilisation a été lancée autour de deux axes forts. Le lancement d'un espace virtuel de sensibilisation abrité par le site web d'Inoui qui comprend une partie pour les enfants mettant en scène les personnages ludiques et une autre partie destinée aux parents pour le contrôle parental. La création d'une application mobile qui permettra aux enfants d'utiliser en toute sécurité le téléphone portable ou la tablette Android à travers des contenus vérifiés. L'Éthiopie envisage de lancer un satellite au cours des 5 prochaines années. L'Observatoire et Centre de Recherche de Solomon Bele et le groupe des technologies de l'espace et de la science basé en Finlande ont signé un mémorandum d'entente le 30 août 2014. Ce dernier portait sur le lancement par l'Éthiopie d'un satellite de recherche dans les 5 prochaines années. Le satellite servira à l'observation de la Terre et à la recherche spatiale et technologique. La grande messe de l'électronique s'est déroulée à Berlin du 5 au 10 septembre dernier. Le salon IFA, salon des technologies le plus important et traditionnel de l'Europe, a accueilli le sud-coréen Samsung qui cette année encore a dévoilé ses nouveaux produits, notamment le Galaxy Gear VR qui transforme en 3D l'écran de Galaxy Note 4. Parallèlement, le PDG d'Apple, Tim Cook, a dévoilé le nouvel iPhone de la compagnie, l'iPhone 6, au cours d'une cérémonie retransmise en direct depuis Cupertino, en Californie. Du 9 au 12 septembre 2014, il s'est tenu à N'Djamena au Tchad, le Salon africain des technologies de l'information et de la communication. Selon le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement, le pays a saisi cette opportunité pour s'intégrer au réseau international haut débit en fibre optique, vulgariser l'emploi des TIC en milieu urbain et rural, créer des télécentres communautaires polyvalents et finaliser la réflexion sur la stratégie nationale des TIC. Sur le web cette semaine, regardez.
Vous regardez High Tech Magazine, c'est l'instant du jeu. L'émission, ne l'oubliez jamais, vous permet également de remporter de nombreux lots et surtout des gadgets High Tech. C'est simple, vous avez juste à participer au jeu qui s'affiche là, au bas de votre écran. Et qui sait, ce sera peut-être votre tour de remporter ces gadgets High Tech. Nous sommes parvenus au terme de cette autre édition de High Tech Magazine, édition consacrée à la sécurité sur Internet, mais également en local sur votre système informatique. La prochaine fois, nous aurons un autre sujet, mais entre-temps, restez high-tech.